La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer de choses. Madame, messieurs, bienvenue à votre émission Congolais Télévision, dont nous avons le réel plaisir de les présenter pour vous. Jonathan Safou, l'homme de la République à la présentation de cette émission, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers les médias. Comme vous le savez, Congolais Télévision vous informe en temps réel. C'est notre devoir ou bien c'est notre obligation. Parce que pour informer, il ne commandera. Bon, mais c'est un abus. Comme vous avez l'actualité, beaucoup plus dominée toujours à l'est de la République démocratique du Congo, où on sent des affrontements entre les FARDC et les différents groupes armés. Mais aussi, l'actualité a dominé Nabaction, chef de l'État, bien projet au chef de l'État lancé récemment. On ne sent pas d'avancement à Malunga Nabaction, en l'occurrence d'abord au niveau du CACEI, où le chef de l'État a lancé pas mal de projets. Il a été visité en santé qui compte rendu sur le terrain avec une positivité. Est-ce qu'il y a des détournements ou bien il y a blocage et arrivée matérielle d'après d'autres informations qui nous parviennent. Mais aussi, nous allons parler de cette élection 2023, enrôlement près de deux semaines déjà en lancé dans la ville province de Kinshasa et dans les différentes provinces. Est-ce qu'avancement est positif, il y a activité ou bien il y a processus, il y a enrôlement ou bien il y aura vraiment des élections avec ou sans opposition en 2023, donc au moins on a la déclaration politique et ils ont quitté Bélé de part et à bas camp opposition, en l'occurrence du FCC, SID et tant d'autres camps politiques. C'est ce plateau. Nous avons notre invité, il s'agit bien de Philippe Moulenga. Il est cadre de CDR, Courant de démocrates et renouvelateurs, mais aussi président national. Il y a structure Nayoto Beng Nakombo, il y a Kaboula Lipa, partageant le pain en français. Moi, Namboka Philippe Moulenga, bienvenue. Merci beaucoup, Deco Jonathan, pour la invitation à yo, et je salue tous les téléspectateurs et la chaîne Abino YouTube, sans oublier notre président national, son excellence Jean-Lucien Boussa Tongba, Otobengi Mabeke Maswa, Ndele Mouyindo. Ndele Mouyindo, moi, Namboka, déjà, c'est une première pour cette année 2023, mais voilà, et on a préféré aussi, on a profité aussi pour la tombe la Boula Malamou. Il y a parti de l'autorité morale, Jean-Lucien Boussa, excellence. Et puis, na président de la République, Kamba, la vision, le lingue mboka, il faut étendre là. Tout à fait. Donc, na tombe l'épée, il faut l'âme. Na bo sanité, ba congolais, ni banso, et surtout, ba militants, tous les militants, il y a CDR, sans oublier. Ma membre Nabiso ya Kaboula Lipa oyo toujours bonda pour que le vécu quotidien ya peuple congolais lobi ezala malamu. Très bien, le vécu quotidien ya peuple congolais lobi ezala malamu. Wana ezali malo ba mwana mboka Philippe Moulenga. C'est avec lui que nous allons parler de toutes ces questions d'actualité oyo ko dominé na République démocratique du Congo. Wana mboka, avant d'aborder toutes ces questions d'actualité tout le bien d'entrer déjà émission Nabiso. Bon, mais c'est tout na d'abord, comment se porte la santé politique ya République démocratique du Congo? Dio na banzi la République démocratique du Congo, sur tout le plan, sur le plan politique, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude parce que le pouvoir en place dispose de la majorité au niveau du Parlement. Cette majorité est constituée au niveau de ce que Tozo Benga, Union sacrée pour la nation. Et malgré que la défection au Tomoni dernièrement, Nandekokatumbi, Oyo Abessana. Etienne moi côté comme c'est union sacré moi mouké. T'es papa. Pour une première rançon, la démission est la ministre au sein du gouvernement parce que leader n'a pas quitté. Non, ce n'est pas une première parce que Nandekokatumbi il est toujours dans ses trahisons d'habitude autour de Baka. Dans le côté Bazo Benga trahison était Bazo Benga quelqu'un qui éternellement insatisfait. Ce qui a accueilli Alain Abinoti a commis la souka a moni que non et tikalim ba mubumoko a salanini a konyamuka. Alors c'est ça ba nature ya bato yo ba lingi ko sa sumete et ko sa sumé dans le sens que vous avez partagé le bilan avec les amis au lieu de lutter ensemble bozonga po bongisa oyo et salama quitter.
est-ce que mais vous... toi, tu prends la décision de te retirer. Soit, je suis en train de dire quelque chose. On n'en a même pas besoin de lui. D'accord. Parce que ce que moi, je veux vous démontrer ici, c'est le poids politique de la personne qui est partie. Allez-y. Et vous savez, il y a de ces partis politiques, pour que les gens les suivent, ça a été manifestation, Batubaya, la manifestation, il faudrait que vous dépensez de l'argent. Ok. Vous dépensez beaucoup d'argent même. Ok. Et c'est le cas. Moi, un parti politique comme Ensemble ne peut pas nous effrayer. Ok. Nous, en tant que CDR, par exemple, mm-hmm. nous savons ce que nous sommes capables d'apporter aujourd'hui comme contribution à l'élection du président de la République. Ok. Vous savez, mon amboka Jean-Lucien Boussa Aouti, na Soudou Bangui, na Saliba meeting, na ba meeting. Mais il fallait voir le nombre et la mobilisation. Donc, pour nous, nous pensons que la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, est déjà garantie. Okay. Parce que nous avons des partis comme le nôtre, le CDR, et tant d'autres partis adverses pour lesquels d'autres partis comme FDC, il y a Union Sacrée. Mm-hmm. Oh, Union Sotozo, il y a été. Mon amboka Tshisekedi a reçu le troisième mandat. Il y a un peu Congomani. Batala bien, bah, opposant Oyo qui sont qui ont créé une défection en dernière minute, okay. bah, s'est retiré dans le gouvernement, mm. alors que bah, travaillé na Bisso Elongo, na gouvernement pendant deux ans presque, Nandambu, et puis Oya Kolobakete, non, bilan est Ali Mabe, des Congolais, il faut vote sanction. Ce qui moko na ba Oyo wana a postulé Elongo bani. Que yo Congomani ma nyonso et sika ozali, il faut leur réserver ce qu'on appelle en français vote sanction. Ces gens ne méritent pas la confiance de vous en tant que peuple. Et encore nous, de, en t- encore nous confiance n'abuse en tant que bah, politique. Parce que ezali exemple moko malamouté au Togo copé ça na ba bilenge au bazo kota na politique neti buso. Mm. Lorsque yo osana osa fidélité na ba loyauté quelconque vis-à-vis la moto yo azo kambambo yo kanisi que lobby au kosenga batu baza la peu loyal vis-à-vis de loyaux vis-à-vis de toi. Mm. Non, je pense que ce ne sont pas de bonnes habitudes. Vous voyez que j'ai eu même la difficulté pour voir comment expliquer, okay. en cherchant le terme qui ne blesse pas, mais sinon en termes clairs na lingana lobane ti Congolais, nous, c'est na nzela rolobani à zafomutu, katumbi à zafomutu, parce que aller Elongo na baninga et puis à Bendani. Mais pour le reste, c'est un choix politique qu'il a fait, et nous respectons ces choix politiques et nous rassurons notre peuple et nous rassurons le président de la République que sa réélection sera une chose réelle. Et ce n'est pas chimérique. Mm-hmm. C'est pas du fiction. Dans c'est du réel. Dans l'ensemble. Pourquoi on doit élire le chef de l'État? Allez-y. Les résultats sont là. Ok. Sur le plan économique, nous avons réalisé depuis que le Congo est indépendant un budget du jamais vu. Ok. Et vous allez me poser la question comment ce budget est redistribué. Je vous dis du jamais vu encore. La redistribution de richesses telle que prône notre constitution. L'article 58, lui, le Congo, les dirigeants ou les gouvernements a l'obligation de redistribuer les richesses de manière équitable et équilibrée et d'assurer le développement du pays. Okay. 15 millions ou 18 millions, 18 milliards ou 15 milliards mobilisés déjà, ou on a redistribué. Combien d'enseignants? On parle de plus de 200 000 enseignants qui, aujourd'hui, ont touché salaire à 350 ou 380 $. Dans l'ensemble, la santé politique est beaucoup congolais. Dans l'ensemble, sur le plan sécuritaire, il y a des couacs. Vous avez relevé dans votre introduction, d'un côté à l'est, il y a Tombokio et Tobengi à M23. Oh, bah ça va congomanité parce que tout le bas vérité, bah il y a rwandais, bah l'ingika kakoye koyi bah oh kita oh biso toza nango, toye bisi bango toza ba voisin, yo koko ndi maté que voisin na vaza nanzala, okoko kabelaye po abika,
Nabana, Bazala Nabomoy. Donc, Bissoba Congolais, Tozali, un pays qui ne veut pas garder les richesses pour soi-même. D'ailleurs, plusieurs fois, le chef de l'État est revenu sur ça pour dire, nous avons 9 voisins aujourd'hui. Le développement de l'Afrique centrale, il tient aussi et surtout par le développement de la République démocratique du Congo. Alors, ce qui est bien, c'est que nous avons besoin de l'Iba, qui est au Bissot, tout en anglais. Donc, Afrique, il y a Bissot, Otobingi, Afrique centrale, et qu'on s'est développé. Donc, il faudrait que cette guerre cesse. C'est la raison pour laquelle les lots EAC et Tindi, force d'interposition, pour que Bitumane ici, là, et que Batombo Kiwana, il y a M23, va se retirer dans la position de Bango, afin que la solution, il y a intégration de Bango, et c'est l'élément, le lingue Lobani, peut-être la démobilisation de Tolobi, et c'est l'élément, le lingue Longobani, et que Kimia Ezonga na parti, ça fait plus de 28 ans. Les Congolais bazo koufa bana bazo daye ba maman bazo violer bango et c'est du pleur ce qui les lots sangi si makila ou tangi côté à est to tiango atana na molongo boy ou bien à rivière songolo mais ekoko tong dit ça ba fu na ba fu et pourquoi silence pourquoi silence la communauté internationale to banzi communauté internationale et comme il faut condamner, et comme il faut décrier comportement belliqueux, il y a Rwanda et surtout il y a chef Nabango, Kagame, parce que c'est de lui qu'il est question ici, la paix va revenir, quelles que soient les tergiversations des uns et des autres, Kimia et Kozonga Nambo Kanabiso, ça nous devons en être sûrs. Kimia Kozonga Nambo Kanabiso, ça nous devons en être sûrs. Si on est allé le Bamwana Mboka, Philippe Molenga, il est au Kobe Tenema Kambotari politique Yamboka. D'après vous, Nien Kota Lalelo, Tata Ekola Mboka, la Sagi, pas mal de projets dans différentes provinces, la République démocratique du Congo. Récemment, il était au Kassai, qu'on a inauguré. Projet Oyemoka Lansaki, mais il n'était pas satisfait. Autrement, nous allons avancer, nous allons avancer, tout le bas détournement ou bien Zali blocage quelque part pour que nous allons avancer de moi dans Mboka, Philippe Molé. Non, je crois qu'on dit ma façon de présenter le dossier. Il y a solo, Mokonzi Mboka a lancé depuis le début de l'année passée, 2022. Un certain nombre de projets. Tout à fait. Et mais le projet en question n'est pas jusqu'à là à évoluer. Non, on ne peut pas dire ça. Allez, parce que moi, je n'étais pas en Mbujimayi. Okay. Encore moins à Bounia. Okay. Parce que les ennemis du peuple ou les opposants à mal de positionnement, ils sont en train d'utiliser. Mais il y a le même média. Le ministre en fonction qui disent que le trop. Je n'ai pas suivi ce. Mais il y a José Panda qui a déclaré ça en disant qu'on doit sanctionner le collaborateur de chef de l'État par rapport à ses projets. Oh, bah, ça l'a dit que. Bon. Moi, je ne peux pas répondre les propos, réagir sur les propos d'un ministre. OK. Alors, c'est une excellence. Il est dans le gouvernement. Peut-être qu'il n'a pas eu l'information. Peut-être qu'il a eu une autre information. OK. Mais moi, je vous rassure que moi, je suis vu aussi un des ministres. Okay. Et surtout, c'est lui qui est directement impliqué. C'est lui d'enseignement supérieur et universitaire. Il a fait la tournée ici à Kinshasa. Okay. À l'Ekina UPEN, à l'Ekina Campus, à l'Unikin. Il est passé par l'université Moussousounine. Parce qu'il a mis ça toi. Tout ça, Unikin, UPEN, na UBTP. Papa. Tant qu'on a à le niveau et à l'exécution à bas travaux, je me dis, le média aujourd'hui que vous êtes utilisé pour nuire, sincèrement. Excusez-moi de vous attaquer comme ça indirectement. Ce n'est pas le média en général, peut-être. Oui, quelques. Là, il faut de retirer quand même, ce n'est pas le média que nous sommes. Je dis quelques organes de la presse. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me dire le contraire. On constate que même dans le journalisme, la tendance est commune. Là, c'est question d'éthique et d'ontologie journalistique. Voilà. Se respecter pour ne pas. Mais la tendance au c'est une interpellation pour allez. Dire que journaliste au Nyon So Bandimi, qui exerce son métier ici, dans notre pays, ils sont quand même tenus dans la déontologie telle que tu as dit, et surtout vérifier le fait. Tout à fait. Moi,
en tant que je fais des études d'ingénieur, d'abord pour votre information, lorsque je constate, j'observe les niveaux d'avancement de ce projet qui sont exécutés ici à Kinshasa, je prends le campus, je prends IBTP et je prends UPEN. On dit que UPEN, les travaux ont démarré seulement au mois d'avril de l'année passée. Okay. Mais vous avez aujourd'hui des bâtisses qui sont au troisième niveau. Vous avez le homme, l'ancien homme qui a existé depuis l'époque de la Deuxième République. Cet homme-là qui n'a jamais été réhabilité par ces gens qui ont fait 18 ans au pouvoir. Y compris les Katumbi, tous ces gens-là. Ils ont participé à la gouvernance Kabila. Ils ont pillé. Non, les gens qui ont fait 18 ans au pouvoir, là, il faut aussi citer Jean Lucien Bousquet parce que lui, il a fait partie. Non, moi, je ne vous permets pas de citer de cette manière. Je sais que moi, Namboka. Pas le pouvoir de Joseph Kabila. Il y a eu dialogue. Okay. Joseph Kabila était déjà au-delà de son mandat. Okay. Vous comprenez? Okay. Il devait s'arrêter à une année. Il ne s'est pas arrêté. Il a dépassé 2 ans. Hein? Vous comprenez? Il a glissé de 2 ans. N'ayant toujours le banal au poteau. A glissé de 2 ans. Pendant ce temps, Jean-Lucien Boussa a été en opposition. Kabila a glissé. Il faudrait maintenant, pendant qu'organiser l'élection, il faut un gouvernement d'union nationale où ils ont intégré. Il y a tendance, il y a opposition. C'est dans ce contexte là que mon amboka Jean-Lucien Boussa a contacté notre gouvernement. Non, je sais que parenthèse. C'est là. On va continuer. Oui, parce que c'était une précision de taille pour que les gens qui nous suivent comprennent que Jean-Lucien Boussa n'a pas travaillé avec Kabila, il ne contribue pas. En tout cas, ne contribue pas à son bilan. Donc c'est pourquoi nous sommes à l'aise de dire que ces gens qui ont travaillé pendant 18 ans, ils n'ont pas eu à donner de l'eau aux hommes, au campus universitaire. Ils n'ont pas donné, pas même l'électricité tout le temps. Quand vous partiez là-bas, homme 20, homme 30, c'est oh babin ranolopoto, toi d'araignée. Mais Singh continue. On pouvait même perdre beaucoup de Congolais juste par un accident. Mais là, vous parlez des avancées. Je suis en train de dire Kinshasa au moins. Oui. Ok. Mais concernant les travaux, il y a intérieur. J'ai suivi un de votre collègues, Monamboka Otozo Benga, Sango. Isaïe Mutombo. Ah oui, Isaïe Mutombo a fait un déplacement na Nambujumai. Mais il m'a dit que ingénieur. Mais il m'a dit projet, et ça, il y a une étape au moins misate, peut-être minée. Ok. Il y a les bosseaux, ils allaient études. Études, il y a ça faisabilité. Ça peut prendre combien de temps études de faisabilité, ça dépend de quel projet. Ce qui est un projet à l'électrification, ce qui est un projet à Kochamai, ce qui est un projet à construire. Après étude, ils ont une étape à mi-balai. Étape à mi-balai, il y a un peu de exécution. Mais pour exécuter, il faut commander le matériel. Tout à fait. Pour nous commander le matériel, le talent, province de Benga, province de Mbujumai, ils ont des enclavés. Les gens doivent comprendre les choses. Construire à Kinshasa, c'est facile parce que tu as du ciment à 0 mètre, les barres de fer reviennent, peuvent venir. Ah, on a port, on a bisou rapidement. Et puis, on peut même, on fabrique même les barres de fer ici, chez Ledia. Tout à fait. On a bisou, on a teko, ça la kango. Donc, construire à Kinshasa, c'est facile. Un projet qui peut coûter, je dis, 100 000 dollars à Kinshasa, ce projet ne coûterait pas la même chose en Mbujumai. Parce que tout est à amener là-bas. Donc, et puis, au-delà du fait qu'on va acheter tout ailleurs, maintenant, comment les acheminer? C'est là qu'on pose le problème de la logistique. Ça prend du temps. Et puis, j'ai suivi un enfant. Du temps, quelque chose, ça doit prendre plus de 6 mois. J'ai suivi un politicien qui a dit, il a acheté un engin ici.
pour la cheminer à Mouenadjitou. Ça fait déjà 3 semaines que cet engin est encore ici. Faute de quoi? Il faut attendre au avion Ekoya Mkolonine, au train en Ekoya. Si un train quitte Lubumbashi pour le Kassai, et vous savez, le train, c'est avec beaucoup de wagons, comme on dit. Mais imaginez-vous que pour un projet de construire une université de taille, telle que l'a voulu le président de la République, université moderne, ça veut dire que le matériel où il faut acheminer là-bas, on peut faire même 2, 3, 5 tours. Donc, en réalité, ils ont un détournement. Ils ont un détournement, moi je parle. Ils ont mauvaise foi, il y a bailli politique. Je ne peux pas dire ça, mais j'ai suivi. Parce que Bissot, il faut. Tout ça, la confiance, il y a toujours Benga. Ministre, il y a tutelle, il y a secteur. Je prends par exemple Mouindo Nzang qui dit ceci. Le financement, il y a projet, il y a Boujemaï. Les gens parlent de 46 millions. Manque d'informations. Il dit que ce n'est pas 46 millions, c'est 18 millions. Logé à Nafoner. Voilà, et préfinancé d'abord. L'entrepreneur a préfinancé le travaux. Vous comprenez? Donc, immédiatement, quand j'entends des discours pareils, je me dis, il y a une campagne de diabolisation. Ok. Une campagne où il y a ça qui va ternir l'image et surtout tout ce qui est ma ponami. Et les gens utilise ça pour dire que non, entourage et chef de l'État, Mouyi Bezali. Non, Tokoyu Koli qui a été Mouyi Bezate. Mais Kolobanin ou Koloba. C'est ainsi ça. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de voleur. Parce que le vol a existé depuis la nuit du temps. Okay. Même ce mot-là, vol, ne vient pas du Congolais. Qui Mouyi Bezali, mais vol déjà dans le poteau. Ça veut dire que même Mundele et pas n'abamo bayibak. Mais peut-être un pourcentage y a qui mouille biwana et ça mouké et ça atténué. Donc nous disons ceci. Le président de la République, c'est le garant de la nation. Très bien. Et lui, le seul qui a mis le mécanisme, il y a anti-corruption. Surtout en là, ça existe. Et ça dépend et ça relève directement de la présidence. Nous avons mis en place Oyo IGF. On a pour contrôler. Kita ekolo ekota kana trésor public mutu azwa atiana mabenga na yete biloko wana ça n'a pas existé, ça n'a pas existé dans le règne que nous avons remplacé ici 18 ans après. Donc aujourd'hui il y a une volonté ferme, il y a kobongo la makambo vision au président de la République azanango ezali ko rencontrer vision, il y a CDR na mokonzi na ye, il y a wana to le but tout soutenir ye, mais toujours ka moi que les Congolais, Bazali, certains des Congolais, au bazar instrumentalisé, comme ils ont monté Biloko, ils ont été. Vous savez, les éléments, Nazoli qui a été. Même Bazali, dans le cabinet, Bazali instrumentalisé, à l'occurrence de l'Abraham Lokaba, lui qui dit que même vous, les Kassaïens, beaucoup de niveaux que détourné, Misalo, l'intérêt n'est pas nous, il faudrait rappeler. Mais moi, je ne l'ai pas suivi. Mais moi, je pense seulement, je pense que je vous ai donné une précision. Quel que soit l'homme politique qui a parlé, mais moi je vous dis le fait et j'analyse ici, quelle que soit ma tendance, un projet obéit à ma étape. Et à chaque étape, il y a du temps, délai. Et à chaque exécution, si aujourd'hui quelqu'un peut passer à la télévision, nous dire voilà le projet, le contrat a été signé telle date. Parce que moi, je n'ai pas ça. Le contrat a été signé telle date. L'entrepreneur, pour exécuter, devait commencer les travaux en telle date. Et nous constatons, au jour d'aujourd'hui, il a réussi l'avance. Parce qu'on parle même de l'avance qu'il a reçue. Quand on dit 18 millions sur 46 millions, allez-y comprendre, ce n'est même pas la moitié. Donc, il n'y a pas de détournement au vu de ce qui est fait sur le terrain et surtout au regard du montant. Oyobazoloba n'est pas ministre de tutelle. Nous croyons et nous pensons qu'il n'y a pas eu de tournement. Très bien, nous croyons que nous pensons qu'il n'y a pas eu de tournement. On les a dit malheureusement en Amboka, Philippe Molenga. C'est vrai que Luc Toro était en Italie politique, il est arrivé au Congo. Moi, en Amboka, tu étais en Italie Est, arrivé au quartier du Congo. Est, arrivé au quartier du Congo. L'ESC est à présent dans les différents territoires, arrivé au quartier du Congo. Mais la guerre continue. M23 a continué toujours, en quelque sorte, on peut le dire que vous avez un terrain, bien qu'occupé toujours le territoire et Amboka. Est-ce que cette l'ESC est à mesure vraiment de défendre
intégrité territoriale, mais ou bien bah on peut basaler infiltrer parce que mino bah politique et union sacrée nous donc on a vu les arènes à combo infiltration et il y a ces ezoa ko bunda na isika na bisote biso moko to ko bunda biso moko ok mais ezaniti batumi balé basali ko bunda batumi balé basali ko bunda même dans notre culture qu'est-ce qu'on fait Moto ya misato akoya po d'abord akabola bango. Voilà le contexte dans lequel moi je prends cette force d'interposition. Kokabola et puis koyo kotala quels sont les mécanismes pendant ce temps qu'on va lever déjà embargo. Il y a sur autorisation des achats, il y a bah armement na RDC. Donc pendant ce temps nous on va se préparer. Tokoso ma bamandouk parce que mais personne ne nous interdit. De nous préparer militairement pour nous bouter qui que ce soit sur le territoire congolais. Donc, que ce soit ces agresseurs de M23 ou que ce soit d'autres groupes armés qui peuvent naître d'ici et là. Donc, l'objectif maintenant, c'est de rétablir l'autorité des. Mais comment expliquer que l'IAC est présent, mais M23 continue qu'on s'avance dans le contribuable au territoire, est-ce qu'il n'y a pas un main noir? D'après vous, quelle analyse vous faites pour... Non, moi, sincèrement, je dois le dire, je suis un Congolais, et dans une histoire, je suis un BP pour le côté Est, je suis un Baboma Tata, papa le Kinabiso. Tout à fait. Baboma est un procureur général. Baboma est pas M23. Bah M23, Kunda Batoire et Moutebousi, Babanana na CNDP. C'est un mouvement, Kakaba Kombowana et Zobongwama. Mais ce sont les mêmes personnes. Ok. Alors, une mauvaise histoire qui interpelle non seulement ma conscience, mais qui doit interpeller la conscience de tout le monde. Ok. Tozo le Baboye. Et ça peut malamouté. Peut-être un nombre insuffisant. Et puis pour que M23 s'est retiré. Mais surtout, les Cambodgiens qui s'est retiré, on a appris que dans différents territoires où normalement M23 fallait se retirer, mais jusqu'aujourd'hui, il ne s'est pas retiré. Ils sont contraints à le faire parce que nous avons signé des accords. Et ces accords que nous avons signés. Les accords nous avons signé les accords. À Luanda, dernièrement, il y a eu un accord avait été signé. Mais jusque-là, les accords, il y a ministre, mais à Luanda, ni processus, il y a paix à Nairobi, n'a jamais été respecté. C'est pourquoi j'ai dit ils sont contraints, en tant que groupe rebelle, groupe agresseur de notre pays, à obtempérer à ces résolutions. Ma résolution en est allée. C'est la communauté internationale. Okay. Donc, Bissau, en tant qu'État, il faut tous à la prudence. Notre prudence, c'est à quel niveau? Il ne faut pas dire que non, on a déjà demandé à ce garde de se retirer, il va se retirer. Mais admettons qu'il ne le fasse pas. Okay. Et admettons, comme tout le monde a constaté la semaine passée, j'ai eu la localité Mokomi Balé. Non, dans Banzi, on a interpellé par gouvernant. Et surtout, il faudrait rappeler que le chef d'état-major, Christian Tchouwe, il séjourne à Goma pour une visite officielle pour depuis nomination. C'est pas une visite officielle. Il est le chef d'état-major. Pour la une guerre. Première. Non, c'est une séance de travail. Okay. Là, il y a la guerre à l'est du Congo. Le chef d'état-major, lorsqu'il s'approche, il descend à un milieu comme ça. C'est pour motiver par élément naïe, motiver par commandant au bazar sur place, pour leur dire que non, voilà les tactiques, si les tactiques peuvent changer, les stratégies peuvent changer, pour dire que voilà ce que je vous amène maintenant, il faudrait que l'autorité de l'État soit rétablie. Ça peut motiver de part d'essayer de bien combattre contre l'ennemi. Bien sûr, c'est le numéro un de l'armée. Et ne pas parler de ces fameuses forces régionales. Non, force, il faut tous à la boigne, tous à la maïle. Force, il faut tous à la paix, motambo. Donc, il faut tout à la bango de manière stratégique. Mais tout bien à la bango. Yo, étant que moko ya baï politique et République démocratique du Congo, quant à la force régionale na territoire na Bissau, et que ça a quelque chose, yo, analyse. Moi j'ai déjà répondu, non, j'ai dit, il est toujours mieux dans Mokili, lorsque Batumi Balé Bazo Bunda,
il faudrait que Moko, Oaza et Misa, Toaza Pembeni, aya pour la Kokabola Bango. C'est que Oaza Bango, il faut Oaza pénètre pour que tout le monde ici la note. La Banzi Baza naître parce que sa force Moko issue, dans le pays où ils sont directement impliqués. Le Rwanda n'a pas mis. Batunaye na force wana. République démocratique du Congo à Boyakian. Donc pour moi, je pense que ils ont force moko ils ont être. Mais par contre, question yo ngai na zo mitu na personnellement, c'est pour dire pour combien de temps cette force d'interposition va rester là-bas, pour combien de temps de mobilisation y a ba M23 par rapport na eteni ya mboko bango ba kozala et ko ça la combien aussi, donc na banzi a toujours sous contrôle na banzi il faut beaucoup d'imagination, il faut beaucoup de stratégies militaires, il faut une forte diplomatie au-delà de ce qui est fait. La diplomatie du chef de l'État déjà au-delà de ce qui est fait il faudrait maintenant beaucoup plus d'imagination pour voir comment il faudrait ramener au lieu de la force soit une force d'interposition seulement, parce que tout le monde est un échec dans MONUSCO. Ah ouais, biso tout a besoin d'un muto à quoi il y a kobunda na elongo na biso. Donc poto benga na munguna. Donc c'est ça ma position. Sur qui a sali biso don ya ko c'est biso. C'est déjà un signe bon, mais moi je veux profiter pour dire à la télévision qu'il n'est pas bon que tozo bunda ma immense toza nango neti bibundeli ezala porté la télévision et puis mundele enfin munguna na biso aye bango. Donc stratégie militaire et surtout ba konzo bazo gérer armée to banzi peut-être que kozala malamu na media media biloko mususu ezo tala ba bibundeli na biso surtout ezala vraiment un peu mis en dehors de la presse, mais sinon toujours saluer geste on a ya pays armé turc et les turcs la Turquie oui sali que après ces bichons pas moi matériel au Kokosunga les forces armées surtout bao bazakuna na est. Voilà, c'est ça. Très bien, moi Namboka Philippe Molengato ko beta makambo etali politique ya mboka. À parlons maintenant de ce qui concerne question électorale, élection 2023, comment se prépare le CDR parti cher à Jean-Lucien? Non, nous avons mis bouchée double comme Batovazo Loba na otio Loba que le président Oyabiso ya CDR otozo benga parce que comme azam ministre Aza autorité morale, parce qu'il y a un intérimaire qui est là, Alexis Mondongue. Donc, on a une stratégie où ils ont en place beaucoup de valeurs en côté. Très bien. Mais nous nous préparons déjà pour affronter l'échéance électorale avec assurance et surtout détermination. Il y a qu'on rafle le poste dans le niveau législatif et provincial. Pour la maïmatali présidentielle, c'est d'air à cause à la candidate Bissotoko soutenir Ndeko Félix Antoine Tshisekedi président. C'est d'air il s'est dit peut-être il est encore dans l'impossibilité à cause à la brigade magistrature suprême pour le moment. Non, je pense que les débats à ce niveau ils en ont noté n'ayez plus capacité à président Nangai au Bengi Monamboka Jean-Lucien Mboussa Azam Moutoua Mayele Azamutu oyo akoko banga elokote mais na moment oyo pour na copé sa sens na alternance na biso copé sa sens surtout na démocratie na biso oyo ezana nous gêne eza normal que président Orazale qui est élu akoka ko sala ta deux mandats a stabiliser mboka et puis akende biso peto koko ya. Très bien, enrôlement, processus d'enrôlement des électeurs, que dire de CENI après près de deux semaines déjà Tamaki, opération Anna, du côté opposition, vous allez vraiment satisfait. Bon, après même, il y a un boycotté l'élection 2023, là, entendu par le biais du secrétaire permanent, il y a un peu perdu. Emmanuel Ramazan Chader a dit que bon, l'élection, vous allez vous concerner FCCT. Il y a tant que moi, il y a une union sacrée au Colombani. Ils sont mal placés pour nous lober la Makambo à CENI. Oui, CENI depuis 2006. Ils sont mal placés. Non, je parle toujours de PPRD, FCC, de manière générale. Ils sont très mal passés pour nous parler de l'organisation des élections aujourd'hui. Bah, c'est-à-dire, terre politique, quand ils sont au commun avec Yann, ça ne va pas. Mais la banzine, c'est ce qu'il y a. Allez-y. Et Zali,
mal placé pour Nanini parce que Bango Bande Konabiso va organiser par élection. Même Martin Fayulu Père est mal placé. Va organiser élection en 2006. Va organiser élection en 2011 et en 2018. Ce que tu as composition à Basseni, on a un bureau, bureau à Seni, et ça là qui vraiment avec tendance. Et ce que tu as bien, même à Konzi à Seni, on a un bureau à Seni, parce qu'il y a tendance à être chef de l'État. Vous comprenez? Mais bah, 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 il y a une tendance en 2018 à Bimissi, il y a une opposition. C'est ça. Bangote, ils ont la pression, il y a peuple congolais, mais il y a un peuple congolais qui pour qu'on réclamait l'élection, qu'on réclamait départ à Kabila, parce que Kabila, il y a Tingama. A Tingama qui déjà deux ans. Mais pas pour mis combien on a Kinshasa. Bisson, on a Bisson, il y a catholique, tout Bima, il y a Banzela, il y a Crimonade, il y a Beta, il y a Massassi, il y a tout Bakoufa, il y a pour l'élection. Et puis Kabila n'avait plus de choix, il ne devait que partir. Parce qu'à ça, il y a six assise moko na opinion congolaise ils allaient quitter ils allaient qui raconte magine ti donc muto azangi poa oui muto soki azangi poa ata mupepe amuke soki ye comme maye ya mwana mupepe wane ya ki ya pression politique au biso to sala ki na opposition pour beti boye ala mwana mboka tu sais qui dit à remplacer et Kabila ke donc ils allaient qui alternance moko mérité par les Congolais, mérité par les hommes politiques qui se sont battus, parmi lesquels Jean-Lucien Boussa, et parmi Moussousso, se battent par l'église catholique et la confession Moussousso. Donc, Nabanzi, ils sont mal placés. J'étais en train maintenant de revenir sur l'organisation des élections. Ok. Dans le moment où il y a l'élo, comment voulez-vous que Bissot te répondre ou te débattre position d'un parti politique ou d'un regroupement politique? Non, tu sais que dans 2018 et 2006, dans l'UDPS, ils ont refusé d'aller aux élections. Ils ont brandi aussi la revendication à l'époque. Ce qui a fait que l'UDPS n'a pas eu de députés en 2006. Bandimi, Bandimi qui cause à l'écart, et puis bah, continuer à se battre. Au moment après des élections, il y a des gens. Et nous, nous avons dit, l'opposition, il y a bande de FCC, bah, ça ne peut pas susciter. Et il faut susciter des débats dans Bissot. Bissot, toujours le bac à que c'est ni où ils ont en place le lot. Et surtout, bureau, où ils bâtissent la place. Ils ont un bureau moko, où ils ont répondre. Le processus, il y a nomination ou il y a désignation, il y a bah animateur. Ce qui parti moko est qui les est. Bango moko baza un mécanisme na bango un cadre il y a consultation. Oyo il fa il s'engela qui bayokana qui je ne sais pas s'il y avait combien de confessions sur l'ensemble des confessions religieuses ils allaient ils font d'akana et si j'akana dans le cadre de concertation, hein, pratiquement 75 ou 80 bandimaki bureaux sont sur place. Il y a un monde qui est là. Ce que je veux dire, c'est que techniquement, est-ce qu'aujourd'hui, la première opération, il y a identification, il y a enrôlement, il y a des électeurs, est-ce que ils ont tambo la malade? Mais au début, il y a un autre qui a été. Parce que moi, je n'ai pas encore pris ma carte, mais naïbi que Batobazoloba, je suis en contact avec les Congolais. Bazoloba effectivement que couleur et la carte. La majorité des Congolais ne sont pas satisfaits. Oui, Bazolinga couleur et la carte était, mais couleur ce n'est pas un problème parce que sa carte, mon conseiller à lobby, carte ouana et qu'au servir Bisso comme carte d'identité T. Uniquement pour des élections. Et puis. Le mois d'avril, tu as la carte d'identité. Mais pour la nini qu'on dépense Mbongo et Bélé, pour la yélo qu'on te reboit à lobby. Des questions en Guana. Le lot, ce qui va te présenter carte à 2018 pour dire que les alliés qui sont comme Ming. Mais ce qui est tangi ma commis, l'icolo à carte ouana, ma commini, carte d'électeur et. De quoi? D'identité. Donc, au moment là que
Et ça, marque un moment, balé que c'est. Les autres ont une étape moko oyo seni azo organiser juste élection car toana et koboa kama déjà na avril tu kosa na carte d'identité parce que depuis pour vous donner information bandanga na botama non na tika jamais kozo carte d'identité donc ce serait pour une première sous pour une première pour depuis que le Congo est indépendant vous pouvez vous rendre compte que ba mingi oyo bazo la qui c'est le ba carte d'identité na bango. Attends, je suis la télévision, moko, suis moko, la partie de Moïse Katumbi. Alobite, je suis carte d'identité, à Kalea verte. Vous comprenez? Il y a Zahir. Bon, mais ma carte, on a vu ça tout à l'heure. Parce que ton beau travail fait après. Félix a repris une chance dans la carte. Pour la première fois, na bon moi, nangai, en tant que Congolais, avec Ndeko Tshisekedi de Tshilombo. On peut maintenant avoir une carte. Donc voilà. Donc sinon, quand on dit ça, les gens peuvent trouver que tout ça a déjà l'éloté. Nous sommes dans le fait. Très bien. Nous disons que c'est pour la première fois. Le NIP est en train de travailler. Très bien. Tokozala. Congolais nyonso akozwa carte d'électeur naïe et carte d'identité et koza malam. Mais pour leur carte d'électeur, ils ont malam tout utilisé au wana attaché qu'ils ont en noir blanc. Mais deuxièmement, je veux dire aussi à la CENI, il faut passer en revue pour voir quelles sont les machines qui posent des problèmes. Le bi que je vous pose la question, je vous laisse répondre. Mm. Et que lui, il a sillonné tout Kinshasa. Il y a d'autres centres où ils allaient enregistrer la CENI, mais bas opérationnalité. Et donc, en quelque sorte, pour lui, c'est déjà une manière de corrompre ou bien Yako l'examen n'a pas fait ce qu'il dit en 2023. Mais dans Banzi, le processus est balobi qui est démocratique, libre. Processus libre, Bêtre. Transparent et apaisé. Donc, Nabanzi, la CENI, ce n'est pas comme la CENI de Malmal. Okay. Cette CENI, ce n'est pas comme la CENI de Ngoï Moulunda. Mm. Cette CENI n'est pas la CENI de Nanga. Non. Cette CENI, c'est une CENI où le fichier électoral sera à la portée de tous les acteurs impliqués. Ok. Vous comprenez? Pour que qu'il n'y ait pas oh non basalaki boy bayiba kité ah on makamunyo se kozala na mesa. On met sur la table, on analyse le fait, on dit voilà nous ton enregistre qui ton rôle qui autant de Congolais, voilà bah Congolais oh va voter, voilà bah voix oh moko na moko à obtenir et d'abord transparence des leitmotiv, il y a Baninga Nabiso, il y a CENI, équipe CENI, il y a Malo. Très bien, moi, Namboka, Philippe Molinga, tu commences à souquer l'émission. Mais Naninga, il y a le pour mon côté. Allez-y, profitez. Nazo, continuez pendant que Koloba était longé Nabino, Kabola Lipa, partageons le pain. Tout ça, Mayangani, samedi, Oyo, et Kozala, Baiming, et Bako, compagnie, Nga, et Longo, Poto, Kendeko. Quand vous avez carte d'électeur, vous avez la élection. Vous avez une carte d'électeur, vous avez une autorisation. Il faut voter et de me faire voter. Si jamais je veux me décider. Et avec vous, nous pensons que ce rêve sera réalité. Venez nombreux. Nous avons profité pour nous gouverner la ville de Kinshasa. Nous avons eu la FCCT. Il y a union sacrée. Mon amboka Gentilin Ngobila, gouverneur, na Jekoko Mulumba, na Banzi, du Cambouya marché central, et zo sa la tache d'huile. Na Banzi, Boucha, oyo no so Boucha en place. Les Congolais ont besoin de leur marché, surtout les Quinois, ils ont besoin de leur marché avant les élections de cette année. Élection, on a eu la tâche d'huile pour Nabiso. Bozana makoki, bosi bozui déjà va entreprise au kosa la misala, mais tozo mitu na pona nini ezo bloqué. Donc on a banzi, c'est le moment où il faut accélérer les choses. Les Congolais nous parlent, les Congolais décrit, les Congolais ont besoin de leur marché. Ça fait 3 ans que ils vendent dans les rues, ils vendent dans des coins, ils ont besoin de leur marché. Voilà, c'est le
Très bien. L'élément que je devais relayer. Messager, Komi et Payabako, du Congolais Télévision, c'est parmi les médias en ligne la plus suivie de la République. Je vous en crois que Tata Eko, le numéro 1, premier citoyen à Ville-Province de Kinshasa, Gentil Nouveau de Lambaka, a Koyo comme message au moins Lambaka Philippe Molenga. Il est Congolais comme nous, Kinois, à Sengé, Liba Congolais, Marchina Bango et Zonga. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était donc Jonathan Safou, l'homme de la République. Peu importe nos divergences, on est tous Congolais. Mais la conclusion, au revoir. Au revoir.